La précision du compas. Un expert en navigation sous-marine sera capable de conserver une course précise à plus ou moins 5 degrés. Cependant, de nombreux facteurs pourront influencer cette précision. Le premier d'entre eux sera l'influence des masses métalliques et des champs électriques. Si tu places un compas à proximité d'une large jauge de profondeur, d'une lampe de plongée électrique ou d'un couteau, il pourra t'afficher une lecture faussée. Il est important d'établir une distance pour laquelle il n'y aura plus d'interférence entre tes instruments et ton compas. D'autres masses métalliques pouvant fausser les indications de ton compas seront les appareils photographiques, les caméras vidéo et les épaves. Un facteur également important sera la dérive due au courant. Imagine que tu désires nager du point A au point B au travers d'un courant latéral important qui te fera dériver d'un côté. En réalité, cette dérive fera que tu arriveras à un point situé dans le courant éloigné de celui que tu avais prévu. Pratiquement, pour aller du point A au point B, tu devras effectuer une correction et nager avec un léger angle contre le courant.